won't somebody tell me and answer if you can? I want someone to tell me what is the soul of a man. Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 16e déjà épisode de mon let's play sur le jeu Mad Max. Et donc la dernière fois on avait réussi à faire la diablesse, tout simplement. On avait réussi à faire la diablesse, ah non c'est pas là, c'est dans le garage. Et on va l'équiper, ah bah elle est équipée, donc normalement c'est celle qu'on a là. Yeah. C'est marrant, elle a un reflet totalement différent selon l'endroit où on se met. Ici elle est plutôt orange pour moi, et là elle est grise. Avec des reflets un peu orange cuivré. Enfin bref, donc du coup il faut gagner la course à la mort. Et ben on est parti, il faut y aller. Allez on y va, on va aller gagner cette course. J'ai jamais fait de course à la mort jusque là, on va bien voir ce que ça donne. Bon, ça va être une simple course, mais là le terrain me semble pas très propice à la course en fait. Étant donné que c'est de la montagne. Du coup voilà. Alors, on va demander à... Comment il s'appelle, Crodazel. Coucou. Now, here comes a wanderer. I, Crodazel, welcome you to the Circle of Light, to the Circle of the Brave, the Skilled and the Quick. You've come very far, and with a great hunger. But are you one who seeks to win a name for himself? Or who wishes to bind to the heart of his machine? Or are you both? What are you saying? Racing, son, is a many splendid thing. There are some who come to Crodazel for the glory, to beat the baddest the wasteland can muster, and have their names ring out in fireside tales of bravery for ages to come. Others are on the path of the spirit. They seek the death run to bind their beings to their machines. What's your wish here? Il y a un petit bug graphique, je sais pas trop. Alors, c'est pas ça que je cherche. Comment on fait pour gagner la course à la mort avec Crodazel? Ah, c'est celle-là, d'accord, c'est celle qui est verte. Course au fût, détruisez un fût à chaque point de passage. Franchissez la ligne d'arrivée avant les autres pilotes et avant que la bombe fixée sur votre véhicule n'explose. Ok, ça va être drôle. Ça va être très très drôle. Bon, on va bien voir, hein. J'ai jamais fait de course à la mort, du coup. Voilà, j'ai un peu d'appréhension. J'espère que ça sera pas trop compliqué. Et j'espère aussi que les bugs graphiques, là, il y a une sorte de flash, je sais pas si vous les voyez. J'espère que ça arrivera. Donc faut détruire les fûts. Évidemment. Ça commence super bien. C'est la grosse merde. Ah. Jamais aussi bien commencer une course. Je suis sûr qu'on peut pas faire pire. Elle est difficilement maniable, c'est un peu chaud. Allez. Dans les montagnes, là, c'est pas pratique du tout. J'ai explosé le fût. Ça y est, je vois la voiture de devant. On peut se tirer dessus ? Ah, mais pourquoi t'as tourné ? On peut se tirer dessus, ce qui est une bonne nouvelle. Ok, je vais passer devant, tranquillou. Alors.
Laisse-moi passer. Et merde. Je me fais tirer dessus, en même temps il y a le camp de Kate juste à côté quoi. C'est tellement pas maniable, pourquoi m'avoir filé ce truc? Oh là là, mais c'est n'importe quoi. La voiture de la loose. Et le circuit de la loose. Ah, point de passage manqué. Dire quoi, j'ai perdu la course. De toute façon, je suis tellement à la ramasse. C'est super dur ces courses. Laisse-moi passer tranquillou, voilà. Ah mais on a le droit à toutes nos armes. Ça c'est pas quelque chose qu'il fallait nous dire. Tu vas me dire c'est écrit course à la mort donc techniquement. Ouais. De toute façon, je me suis fait exploser. On va réessayer. Mais c'est chaud. C'est franchement pas simple. Allez vas-y. Par contre, cette fois-ci, je vais utiliser mes armes. On va rigoler, hein? Allez, charge, c'est bon, t'as juste à recharger là où j'étais avant. Pourquoi ça prend trop de temps? C'est totalement aléatoire, les temps de chargement dans le jeu. Ok, ça sert à rien. Voilà, déjà, toi, tu m'embêtes pas trop. J'ai prévu le coup, t'allais partir à droite. Là, il suffit de passer, évidemment. Je me... C'est quoi ce rebond de fou? Je vous ai fait un rebond de malade. Ok, j'ai explosé des fûts, c'est bon. On va essayer de revenir dans la course. Là, j'étais devant en plus. Dommage. Peut-être une mauvaise idée ce que j'ai fait. Et il sort d'où ce caillou là? Ah ça va pas du tout. Mauvaise idée. Ok c'est bon, je suis deuxième. Maintenant, le tout, c'est de maintenir ma position. Je devais pas être loin de la fin la dernière fois, du coup. Je pense que là, au gun, ça serait pas mal. Elle est trop protégée. J'arrive pas à le choper. Ça détruit que dalle. Allez, tourne. Oui. Non, ça par contre, j'ai dit qu'il fallait tourner des fois. J'étais devant. Bon, après, je pense qu'avec une manette, ça doit être beaucoup plus simple. Mais j'en ai pas. Du coup, clavier. Voilà. Quoi, R, maintenir, monter dans le véhicule. Allez, recharge, c'est bon. Totalement aléatoire, ces temps de chargement. Des fois c'est super rapide, des fois c'est super lent. Alors, pas se reprendre par la bagnole là qui va avoir tendance à partir à droite. Alors, ça c'était une grosse connerie. Oh, la maniabilité incarnée, ce... Je suis même passé 4 derniers. Même lui, il m'est fâché devant. Tempête en approche. Ah oui.
ça va être le loul. Si en plus on a une tempête. Ah oui, elle est là. Ok les mecs, ça va être très drôle. Ça va être très très drôle. Mes oreilles. Comme à chaque fois, mes oreilles. Putain, elle est absolument pas maniable, ce bagnole. C'est affreux. Ah oui, puis il y a ce caillou. Évidemment. Évidemment, je me suis pris un éclair et eux, ils s'en ont pas pris un seul. Impossible de la gérer cette bagnole, c'est trop chaud. En plus, je vois même pas où je vais. Allez, alors on va passer sur la partie chiante. Oh! Point de passage manqué. Non, bah pas de poisson de manqué. Quoi cette histoire de point de passage manqué? Je vois rien du tout. Allez, on est pas loin. Oh oh. Je suis deuxième. Waouh. Ouais, j'ai plus beaucoup de vie, faut vraiment que je résiste. Allez, faut pas se planter. Oui! Victoire! Victoire! Waouh! Chaud, chaud, chaud. Du coup, c'est bon, on peut aller recruter notre Gugus. La Gugus en question. C'était chaud, et en plus, ça dans la tempête, tout ça. Bon, c'était assez épique. Faut le dire qu'avec les éclairs, tout ça, c'était. Why? Quand même ultra épique. Et oh, déplace-toi qu'on puisse rentrer dans la baraque. Ah, c'est bon. C'est quand même largement mieux. Your debt is paid. Give a girl a moment to clear her head. There have been a few men for days. Ah oui, c'est ça notre partenaire, ça va être très très drôle. Bon. Du coup, on va devoir faire une autre course. On va devoir faire une autre course à Petroville. Allons voir ce qu'il y a à Petroville. Cette fois-ci, on aura un combattant dans l'équipe. Ça va être drôle. Je sais pas du tout qu'est-ce que ça va être. Faut qu'on récupère le Big Chief, en fait. Le V8. C'est ça qu'on cherche. Alors. La course de Petroville est difficile. Assurez-vous que la manœuvre Puss et Max sont suffisamment bien équipés avant de participer. Ça va être drôle. Ça va être très très drôle. Et pourtant, elle est plutôt maniable. Ouais, des gros moteurs, tout ça, mais j'ai rien. J'ai pas assez. On va quand même l'essayer. Je suis curieux de voir quelle gueule est là. Peut-être qu'elle est faisable. Et sinon, je pense que ça va être des épisodes un peu de farm avant. Hein. Si on n'est pas assez bon. Qu'est-ce que ça donne? Waouh.
Gas towners, wastelanders, lowly specks, and big meats alike. Behold, what treasure is bestowed upon us from above! Witness and tremble before the big chief! Glass of fresh and delish fixin' for our pipin' hot mixin'. The teasing, the pleasing, the concubine! Oh! And yet, all these riches still have but one keeper. Our beloved champion, Stagdo! Ah ouais, d'accord. Oh, une bombe. Ok, c'est parti, ça va être drôle. Et d'une, faut qu'on élimine les petites cibles à côté parce que bon, il faut que je défonce Corbut derrière. Pas trop le choix. Alors, par contre, faut que je cours aussi. Faut pas que je fasse que tirer sur les. Voilà, plus qu'une. Une fois qu'on aura éliminé toutes les petites. Allez, d'accord, mais si il se rajoute derrière, ça va pas le faire. Waouh. Ah, il faut le courir après. D'accord. Wow. Ah. J'ai 6 minutes pour le défoncer. Encore qu'il me court un peu devant là. Ouais, d'accord, je peux rien voir. Évidemment. Ah oui, si les spectateurs s'y mettent aussi, ça va pas le faire. Supra chaud en fait. Les bombes. Évidemment, il arque des bombes. J'ai presque plus de vie. Ok. Merde.
Ah, j'étais pas loin. J'étais pas loin. Je pense que c'est faisable. Je pense que c'est faisable. Continuer, ça fait quoi du coup? On recommence? Ça va être un épisode de course. Je vais essayer de le faire au moins deux ou trois fois là. Je pense que c'est largement faisable. Il faut arriver à gérer les tournants en même temps. En fait, c'est la basibilité qui va pas. Tout simplement. Et je pense qu'à coup de harpon de feu, ça passe bien. Faut pas trop que je me rapproche. Ah mais j'ai que le harpon de feu moi. D'accord. Ok, les bombes chaudes, voilà, c'est bon, éviter. Éjecter du feu. Ok, ça c'est bon. Ah. Pour l'instant. Alors. Je sais pas ce que certains font. C'est assez spécial. Il y en a un qui fait de la roue avant. De la roue arrière, pardon. Ah. Oh, ok, j'arrive vraiment pas à gérer mes tournants. Allez, on avance. Il a énormément d'avance sur moi, ce qui m'énerve. Moi j'arrive pas à tourner. Ah, je me fais foncer dessus. Tourne, 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 tourne. Gentil. Ok, je pense qu'on le rattrape. Merde, les mines, les mines, les mines. Ah, bon, je suis bouffé une. Il est pas loin. D'accord, c'était pas toi que je visais. C'est pas toi non plus. Allez, allez, dernier petit coup. Il me reste plus beaucoup de vie. Recharge, recharge, c'est trop lent. Win. Ouais, c'était pas si compliqué. C'était pas si compliqué. Mais je pense qu'il va y avoir une couille. Oula! Non, merde. Oh, je déteste. Ça, c'est Mad Max 3. Le dôme du tonnerre. Il y a des mines au sol? Wow. Désolé. Allez, viens là. Je
Ah voilà. J'ai pas envie, elle m'a aidé quand même, mais bon, mais c'est la règle. Ah. Allez, viens là. Faut que je parte des attaques. D'accord, elle fait une grosse attaque et après le... Ah, c'est bon. Désolé. C'est barbare. The victor and the ruination of Stank Gum. Hail the new champion. You and me. We were meant to be together. Hey, you're not done here yet, friend. He's coming out of reach here. Who the hell is he? Tonight, the great prize of Gastown will be delivered by someone very special. Oh merde. Gaze upon him. Return to us from the afterlife. Bask in his glory, O Gastown. He who has conquered death like his father before him. Immortal, an Olympian, a godhead. Oh sa mère. C'était presque évident, mais... C'était même plus qu'évident, mais... C'est vrai que j'ai un peu eu la gueule bouche bée. Dommage que vous ne puissiez pas me voir. C'est tout. L'arme qui s'est fait démolir tout de suite. En plus, il y a des gens... Démolir les minions. Ouah la vache. Et pourquoi il est rouge? D'accord. Allez, viens là. D'accord, il faut viser les fûts, mais bon, comment je fais? Ouf. J'étais dedans. Ça lui fait rien. Aïe. Waouh, il va charger. D'accord, un fût, il y en a là. Oh, c'est fait.
Ok. D'accord. Boum. Ouh, j'ai 20 jetons de griffa, faudra que je m'en charge de ça. Ok, c'est la galère, je suis pas du tout... Enfin, je pense que je suis beaucoup trop loin par rapport au niveau que j'ai. Que ce soit au niveau de ma voiture, de Max, tout ça, c'est n'importe quoi. Du coup, ce qu'on fait, on se carapate, on prend le big shift, on se barre. Oula. Encore faut-il survivre au reste des bastons. Ok, ça, ça va. On continue d'avancer. Bah, dis donc, ça sera un épisode assez mouvementé. On aura fait beaucoup, beaucoup de choses. De la course, de la baston. N'empêche, c'était sûr que Scrotus allait revenir, qu'il était pas mort. Mais, un peu compliqué de survivre avec une... Comment ça s'appelle? Carrément un... Zut. Une tronçonneuse dans la figure. Ça aide pas beaucoup. Ok, une issue. Oula! Ouh, le bug! Je sais pas si vous l'avez vu, il y a eu un joli petit bug. Encore? Fox, the slithers out of hiding. See me. See what you have done. You took my car. Your car. Ok. No. My car. My land. It's mine. Et Scorbut. Wow, 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 wow. Je lui fais tellement de mal. Wow, wow, wow. Ouf. Ces enchaînements. D'accord, il y a du monde qui arrive. Oula! Ah! Ça doit être doux, oui. Champion, he's wounded. We didn't even have left on my doorstep. This one, or you'll end up more of a mess than him. Let's get him to the chair. Someone you should meet. Who? It's someone from before. The name you dog eater.
there now, Dinky-D, huh? We're all friends here, huh? Friends of him. Yes, only he doesn't want to know about it, huh? Too afraid of the ghost. I just don't want any friends. Bit late for that, buddy. To cut yourself off just because you lost us. You will do it again, husband. And this time you'll do it right. Do you, crazy-eyed road warrior, take this wasteland concubine to be your lawfully wedded wife? I do. And now your blood nourishes the weak. My blood may it burn through your veins and scorch your soul. Pay us my payment! Yeah, go on, get out! Get out now! Where is she? The woman? A concubine. Out there, in the underbelly. You owe her a life! Don't know why she cares for a shit sack like you! Keep walking, blood leech! Bloodleech outside! Wow. Beaucoup trop de choses que... Tout ce bordel là, ce passage psyché, bizarroïde, c'était assez étrange. C'était très très étrange, en tout cas beaucoup d'informations. On a vu la femme de Max qui est morte, qui lui a demandé de refaire sa vie. J'ai pas tout compris l'histoire avec le chien, du coup c'est son chien qui était sur un corps d'homme, j'ai pas compris là. C'était totalement psyché. Et donc la question c'est, on est où? Ah oui, on est directos dans le bas-ventre. Je vais essayer de retrouver ma voiture et on arrêtera l'épisode parce que ça fait quand même presque 40 minutes que j'enregistre, sachant qu'il y aura assez peu de coupures étant donné qu'on a fait beaucoup d'actions et pas beaucoup de mouvements. Et ben ça va faire un épisode très long et j'aime pas trop les épisodes trop longs. The saint lives. The car. The magnum opus. Oh, she's good and safe. That skank. He done hit the big chief. Ah, l'enculé. That woman. The dog said concubine. She'll know. She'll know where it is. Hope. They call her Hope. Concubine, huh? They think she as fine as the big chief, even. She dwells down here. Somewhere. Ok, donc je suppose qu'il va falloir trouver la concubine. Ah, mission bloquée. Construire deux projets dans la forteresse de Difria. Bon, ça veut dire qu'il va falloir aller à Difria, évidemment. Ça va être drôle. Enfin, on fera tout ça dans le prochain épisode parce que là, ça fait un épisode beaucoup trop long et je pense que c'est un bon endroit pour arrêter. J'espère que ça vous aura plu. Un épisode très intense. On a fait de la course, on a fait de la baston. Il y a eu beaucoup de révélations. C'était génial, quoi. C'était vraiment génial. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné, à partager la vidéo. Et puis, dans tous les cas, je vous retrouve dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut tout le monde. Portez-vous bien. Someone to tell me.